Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de la boutique GBFKE. Donc vous savez que je suis en partenariat avec eux et j'aime énormément cette boutique. Déjà par le contact, j'aime beaucoup ce contact. Ils sont très gentils. Voilà. Et en plus, c'est une boutique que j'aime beaucoup car ils ont énormément de choix et vraiment pas cher, et c'est de bons produits. Enfin, moi, pour ma part, j'ai jamais été déçue, donc moi je recommande cette boutique. Donc ils m'ont demandé de choisir des articles pour les tester et vous donner mon avis. C'est ce que j'ai fait. Je vous montre ça. Alors, nous avons des toiles. Alors, les toiles sont, enfin, les paquets sont un peu ouverts parce que j'étais en vacances et que mon fils, quand il recevait les commandes, je lui demandais d'ouvrir un peu pour voir ce que c'était. C'est pour ça que les toiles sont un peu ouvertes. Et encore pas toutes. Hein. Voilà. Donc déjà, pour commencer, mon dernier partenariat, j'avais demandé une boîte qui était abîmée. Elle avait été abîmée pendant le transport, je précise. Et du coup, j'y avais dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, la vidéo quand même ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, il m'en a renvoyé une. Et donc là, elle est en bon état. Vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc c'est ceci, on le reçoit dans une boîte comme ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que c'était. Donc là, en fait, c'est une boîte à bijoux. Donc là, on peut y mettre des petits bracelets. Vous voyez là le carré. Là, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des rainures. Voilà, pour mettre les bagues. Donc voilà, et là c'est en velours et c'est tout doux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette matière. Ça a l'air quand même de bonne qualité. Voilà, franchement. Donc là, on va regarder si ça colle bien. Ça colle super bien. Je vais essayer de vous montrer les symboles que vous fassiez vous-même. Comme vous voyez, c'est super bien imprimé. Donc, c'est top. Nous avons le kit barquette stylé. Je vous l'ai déjà présenté l'autre fois, mais comme elle est abîmée, je vous la représente quand même. Voilà. Donc, ça, c'était en remplacement de celle qui était abîmée. Donc, nous avons en diamant des bleus marines. Oh, ça, sont très jolis. C'est des strass bleus. Des gouttes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup, beaucoup. Ceux-là. Bon, ça laisse un peu petite, mais elles sont top. Après, nous avons des diamants blancs. Et nous avons des strass. Donc, orange, rouge, jaune. Bleus, ils sont trop beaux. Des transparents et des noirs. Ouais, c'est des noirs. Donc, à tester. Je suis très contente. Parce que ça faisait un petit moment que je les voyais, ces boîtes comme ça, bijoux. Et chaque fois, je disais, bon, on les prendra plus tard. Donc, je suis ravie qu'ils m'aient donné la possibilité de les tester. Voilà, j'adore. Je vous donnerai mon avis, bien entendu. Peut-être qu'on la fera ensemble. Bon, peut-être en accéléré, mais je pense qu'on la fera ensemble. Dites-moi si vous voulez qu'on la fasse ensemble. Hop. Donc ça, je le remets dedans. Ça aussi. Hop. Donc ça, à tester. Ensuite, je vais tout sortir, ce sera plus facile. Vu que c'est pas cher, du coup, y a pas mal de choix quand même. Parce que, avec le budget qu'ils nous donnent, on peut choisir énormément de choses puisque c'est vraiment pas cher. Donc, j'ai craqué sur celle-là. Donc, c'est une partielle. Diamants spéciaux et j'ai adoré ce motif. Voilà. Donc, alors bien sûr, il faudra la mettre à plat. Il faut qu'elle se mette bien. Hop. Donc, voilà.
là, je regarde. Ça colle super bien. Je vais vous montrer, bien sûr, le dessin. J'aime beaucoup ces petites filles. Là. Et nous avons 10 couleurs. Enfin, 10 diamants spéciaux. Et voilà. Donc, les numéros. Là, il n'y a pas la DMC, par contre. Oups. Mais c'est pas grave qu'il n'y ait pas la DMC, puisque de toute façon, voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et en général, les gros diamants et tout, je les garde quand même pour m'en servir autrement. Donc, nous avons un kit, bien entendu, avec la colle aussi. Et nous avons des diamants spéciaux qu'on va regarder ensemble, vite fait. Donc, nous avons des gouttes dans les verres AB. Nous avons des gouttes blanches AB et des ronds AB. Des strass transparents, des strass roses, des diamants noirs simples. Oh, il est trop beau celui-là. Des strass verts, des verts foncés, un autre genre de vert. Si vous voyez bien, et du noir. Donc franchement, pareil, enfin, on la fera peut-être pas ensemble, mais je vous la ferai rapidement et je vous donnerai mon avis dès que je la ferai. Je vous ai pas dit, c'est un 30-30, donc 30-30, en fait, ça fait 25/25, puisque c'est bord ici. Et franchement, je sais plus le prix, mais c'était vraiment pas cher. Ça devait être dans les 4 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien de la boutique GBFKE ainsi que les articles qu'ils m'ont gentiment envoyés pour que vous puissiez vous faire votre opinion, vous, sur la boutique. Ensuite, nous avons... Là, il faut ouvrir. Je vais vous montrer ça. Alors, ah oui, j'ai craqué, c'est un gros coup de cœur et celles qui me connaissent comprendront pourquoi j'ai craqué. J'ai craqué sur cette petite fille, voilà. Donc, pardon, un peu steampunk, un peu, voilà, j'ai vraiment craqué dessus. J'ai adoré. J'ai dit, celle-là, il faut que je la fasse, elle est trop belle, donc elle colle super bien. Donc, je vais essayer de vous montrer le dessin. C'est un 30/30 aussi. Voilà. Donc, j'ai vraiment adoré. Voilà. Je ne sais pas si elle ressortira bien. On verra. Les symboles sont super bien imprimés. Et nous avons 24 couleurs. Voilà. J'aime beaucoup cette fille. Voilà. Donc, j'ai craqué. Je vous montre les diamants. Donc, c'est des diamants ronds. Je vous montre les couleurs vite fait, comme ceci. J'aime beaucoup ce bleu. Là. Non, voilà. J'ai de la colle, du truc partout. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, là. Hop. Ah oui, celle-là aussi. Alors, j'ai craqué sur celle-là aussi. Je l'ai trouvée vraiment trop marrante. Et voilà. Un peu déjantée. J'ai craqué sur celle-là. Voilà. Donc, j'ai craqué, je l'ai prise. Enfin, je leur ai demandé, ils me l'ont envoyé. Et j'en suis ravie parce que, voilà. J'adore. Vraiment. Donc, elle colle super bien. Donc, celle-là, c'est un 30/40. Nous avons 20 couleurs. Je voulais essayer de vous montrer le dessin de près. Si j'y arrive. Voilà. J'adore. Trop, 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 trop belle. Et comme vous voyez, les symboles sont super bien imprimés. Donc, franchement, j'adore. Bien sûr, le kit de base et nous avons les couleurs.
Donc beaucoup de blanc forcément pour le fond. Hein. Et après, nous avons ces couleurs. Je vais vous les montrer comme ça, vous les verrez un peu mieux. Donc il ne me tarde trop de la faire parce que j'adore. J'ai un coup de cœur sur cette fille. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher. Hein. Il faut laisser parler son cœur des fois et voilà. Il me la faut. Ce qui n'a pas été évident parce qu'en plus, il y avait plein de nouvelles gorgeous. C'était terrible de pas les prendre toutes. Mais bon. Ah ben, t'as, quand on parle de gorgeous, alors, j'ai craqué sur celle-là. Voilà. Donc, c'est une gorgeous avec des ailes d'ange et un nuage. Voilà. Et j'adore. Elle est trop belle. Là, c'est des cœurs. Donc, j'ai craqué. Hop. Il y en a vraiment énormément de gorgeous. Ils en ont sorti plein. Ça a été très dur de choisir. Donc là, pareil, on a fait beaucoup de cœurs. Elle colle super bien. Nous avons 20 couleurs. Et je vous montre des symboles. Voilà. Là. Sont super bien imprimés. Donc, j'adore. Elle est trop belle. C'est que du bonheur. Bien sûr, il y a la DMC. Je ne vous l'ai pas dit, mais sur les autres aussi. Et nous avons ces couleurs-là. Qui sont trop belles. Moi, j'aime beaucoup ces couleurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, là, il y a du vieux rose et tout. J'aime énormément. Bien sûr, nous avons le kit de base. Franchement, c'est trop. Je suis trop contente. En plus, ça a été super rapide. Bon, là, moi, j'étais en vacances, donc je ne sais pas exactement quand je l'ai reçu. Mais... oui, j'ai craqué sur une autre gorgeous. Elle est trop belle. Trop belle. Donc, pareil. Trop choupinou. Ouais, les petits cœurs et tout. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ça fait un peu vintage, mais c'est doux. C'est, y a quand même du rose. Que j'aime beaucoup ces couleurs. Pareil, c'est une 30 sur 40. Nous avons 20 couleurs. Elle colle super bien. Je vous montre le dessin de plus près. J'essaye. Voilà. Là. Elle est trop choupinou. Et comme vous voyez, là, c'est super bien imprimé les symboles. Pardon. Oula. Désolée, je reviens de vacances. Il faut que je me remette dans le bain. C'est wow, des compressions. Donc, bien entendu, nous avons le kit qui va avec. Et on regarde les diamants. C'est des diamants ronds. Donc, je vous montre tout ça. Et derrière, bon là c'est un peu mélangé mais c'est pas grave parce qu'on voit bien la différence. Donc voilà les couleurs. Ah, il n'en reste qu'une. Oui, parce que comme c'est vraiment pas cher, du coup ben on peut, là il y en a pour 25 et quelques euros. Vous avez vu tout ce que j'ai. Et en nouveauté, j'ai aussi choisi ceci. Alors, je vais y arriver. Sinon, je vais prendre les ciseaux. On va prendre les ciseaux, ce sera mieux. J'ai plus de force. C'est l'effet des vacances, retour de vacances. Ah. En nouveauté, alors il y en a plein, pareil. Moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en a plein d'autres. J'ai choisi une horloge. Alors là, il va falloir la remettre bien à plat. Hein, parce que... non, voilà. En fait, c'est une toile horloge. Là. Et là, il faudra faire un trou pour mettre le mécanisme. Donc, vous avez tout à l'intérieur. Je vais pas l'ouvrir. J'ai peur de le perdre. Vous avez les aiguilles. Dedans, le mécanisme, les rondelles, il y a tout dedans. Donc du coup,
Je vais pas trop trop les toucher, hein. On va tout refermer. Là. Donc, ça fait 35 sur 35. Nous avons un kit de base avec une pince noire. Donc, moi, je m'en sers pas, mais voilà. Là, je sais que je vais faire de la résine et tout. Donc, peut-être que ça me servira. Là, j'attends juste la résine UV que je veux tester. J'ai reçu, avant de partir en vacances, la résine transparente. Et du coup, ben, je pense que dès que j'ai un peu moins de bazar, je ferai de la résine avec vous. Du coup, je pense me servir des pinces noires pour la résine. J'ai pas regardé. Ça colle super bien. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup voilà, les pendules, enfin les horloges. Du coup, il y en a plein. Moi, j'ai pris celle-là, mais ça a été dur de choisir, je vous le dis. Donc, on va regarder les diamants spéciaux ensemble. Oh là, oh là là. Il y a les gouttes que j'aime pas. Donc, il y a les toutes petites gouttes, vous savez, celles qui sont très, très pénibles à mettre. Voilà. Donc, il y en a des transparentes, il y en a des jaunes. Après, nous avons des diamants blancs AB, nacrés, j'adore. Des strass bleus, des transparents. Des jaunes, des bleus, des verts, encore des jaunes, là. Des roses, des noirs et des bleus. Donc moi, j'aime énormément, donc à tester. Voilà. Après, c'est le support, je ne sais pas sur quel support je vais le mettre, mais bon, on trouvera bien, j'ai envie de vous dire. On trouvera, au pire on la fera ensemble et puis je ferai, je la finirai plus tard quand je trouverai le support. Au moins elle sera faite. Et bien sûr le mécanisme, je ne le mettrai que quand je vais le faire. Donc voilà. Ben écoutez, voilà pour mon partenariat GBFKE. Donc vraiment je voulais encore remercier GBFKE pour sa gentillesse. Il me gâte à chaque fois. Et en plus, il est super gentil. Donc, j'adore. C'est de très bons produits. Et franchement, ça vaut le... c'est une boutique qui vaut le coup. Parce que voilà, là, c'est entre 25... c'est à peu près 25 euros. Regardez tout ce que j'ai eu pour 25 euros. Hormis la boîte à bijoux. Parce que ça, c'était de la dernière fois. Mais franchement, voilà. C'est vraiment pas cher. Et moi, j'aime énormément leurs produits parce qu'ils sont pas chers, mais ils sont de bonne qualité. Moi, je recommande cette boutique, vous le savez. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre d'infos ainsi que le lien des articles que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et ça vaut le coup, franchement, il y a des pures merveilles. Bon, le choix est très dur par contre, hein, parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Et... c'est dur de choisir, mais bon, on arrive quand même à choisir. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Voilà, ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.